Il faut de l'audace, il faut de l'audace, tu sais, pour trouver sa place et pour que tu puisses changer. Il faut être sûr, il faut être sûr, tu sais, le pas le plus dur quand on part c'est le premier. Et on s'envolera vers de tendres jardins, on s'en ira s'il le faut bien plus loin, et on aura ton bonheur pour destin, un jour ou l'autre, peut-être demain. Alors voilà, nous voici à Vahan ici. Non, avant c'était pas mort, c'était pas deux fois la même chose. Non, nous voici à Vahan. Yvan, tu sais qu'on est à Vahan là. Hein. Au chalet de Vahan. Pas encore. Première sortie club de l'année, faut quand même le dire. Hein. La dernière fois, c'était pas une sortie club. Puis je suis à la rue parce que j'en ai marre, je suis fatigué. Et on va monter donc en haut au décollage de Vahan. Enfin, si on monte, on va monter au décollage de Vahan. Et là, on va essayer de décoller. Et c'était quoi ton plan, Yvan? On monte, puis on redescend. Tu avais pas dit que t'allais sur la pointe, machin, la tête de truc. Ah ouais, on va là-bas. Et puis en face de la tête du machin. Puis après là-bas. Non, alors on va aller d'abord, on va essayer d'aller sur. Comment ça s'appelle? La tête de Turc. Non, là-bas au bout. Le dérochoir. Allez, on va jusqu'au dérochoir. Le dérochoir, c'est pas mal. On voit les gypaètes, on monte avec tout en douceur, comme ça, tout en finesse. Après, on transite de l'autre côté sur la tête de Barmerousse, on revient sur le déco, pisser sur ceux qui viennent de décoller. Ouais. Après, on va à l'aiguille grise de Vahan. Tu connais l'aiguille grise? Non. De l'aiguille grise de Vahan, on fait 2-6, 2-7. On transite de l'autre côté sur. Le mont de la Touffe. Le mont de la Touffe, ouais. Sur l'aiguille percée, là dans la pointe percée. Ouais, pointe percée. Et puis là on se vache. Et là on se vache. Et on est dans la merde. D'accord, écoutez, ça voilà, à peu près le système de. Ouais. Ça c'est le schéma moyen du parapentiste qui rêve au sol et qui est en train de monter et qui a la tête dans. Un 10 mars. Un 10 mars pour une première sortie avec chaleur et tout. Mont Blanc. Tu filmeras, t'oublieras pas de filmer Mont Blanc d'ailleurs après. Ouais, d'accord. Putain, Daniel, t'as raison. C'est froid. Donc on est en déco de Vahan, avec comme vous voyez la vie qui n'est pas très bien dirigée, mais qui est vers l'ouest, qui devrait être sud-ouest. En dessous nous on a le Mont Blanc et un magnifique nuage. Je tourne vers le, je sais plus ce que c'est ça, le pilier Bonatti et l'aiguille vert derrière, quelque chose comme ça. Et là en haut on a Barmerousse, qui représente encore environ, qu'est-ce que je veux dire, deux petites heures de marche quoi. Pas de l'eau, là, pour l'équipe, les schémas de service, ils sont pas du tout prêts à déployer. Il est urgent d'attendre. Il faut commencer plutôt que déployer, commencer à observer. Donc, je vous les présente. Les vedettes de Hella. Regarde Michel, il y a un parapente là-bas, il a déployé, il est plié, puis on va prendre son parapente sur la gueule. Et c'est à ce moment-là qu'on dira qu'on va descendre à pied. Donc, ça c'était Antonio de Las Vegas. Alors, je désapprouve complètement Antonio de Las Vegas. On va observer vaguement. Ça c'est le Yeti qui parle derrière son sapin caché. Et voilà, c'est le repossesseur de cette caméra. Il est où le passer sur la caméra? Comment ça marche? Il faut regarder. C'est ce qu'on voit là-dedans? C'est ce qu'on voit là-dedans. Oh merde alors. Tu as des sympas, ça craint trop. Voilà, c'est bon. Tu peux recommencer alors. Bah, tu verras bien ce que tu prends comme image. Ah, c'était ça le truc, voilà. Alors peut-être que j'ai pas tout vu juste. Maintenant je vois là, j'en passe. Ah ouais, c'est vrai que c'est bon. Aussi dans ces sapins. It taxes along a runway. It's a method we use too in our machines. For the majority of birds, the most exhausting part of flight is now over. Though Shearwater's achieved its height. Les voix se taisent et tout devient aveugle et sourd. La nuit camoufle pour quelques heures. La zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici. Entre vignerons, c'est la violence et l'ennui. Je m'en sortirai, je me le promets. Et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux.